Ça va aller ? Merci, mais j'ai pas besoin qu'on me raccompagne. On avait dit qu'on se retrouverait ce soir, alors. Tu dois rester avec moi. Pense à ce que dirait Luigi. Pourquoi pas ? Mais t'en fais pas de ce qu'il pourra en penser. C'est pas ça. Parfois, il me considère comme une gamine. Je le comprends. Il veut te protéger. Il a vu des trucs. On a tous vu des trucs. On va devoir parler de la bouffe que tu chapardes. Hé, je cuisine. Alors je décide ce qu'on en fait. Polly te dit pas merci. Qui sait ? Peut-être que demain, il se fera son petit déjeuner tout seul comme un grand. Tu veux bien frapper à la porte ? J'ai pas assez de mains là, tu vois ? Buonasera, Sarah. C'est pour moi ? Oui, même si c'est moins que la dernière fois. Ça ira. Nona me dit que tu es un ange. Le Don déteste gâcher la nourriture. Et ça, ça doit être Tommy. Sarah m'a beaucoup parlé de toi. Vraiment ? T'es un as du volant, Tom. Tout le monde parle de toi. Ouais, c'est vrai. Tout le monde. Bon, refroidis pas toute la maison, Juliette. On se voit à l'église. Très bien. Bonne soirée. Bonne nuit. Buona notte, Tommy. Hé, maman ! Ton petit ange nous a apporté à manger. C'est bien ce que tu fais. Ça ? Bah, plein de gens mangent pas à leur faim par ici. Ouais. Et c'est une chouette nuit pour se balader, sinon. Je t'interdis de te faire tuer pour moi, Tom. Je suis pas de mon mieux. C'est tout ? Alors tu passes des journées entières avec ce playboy de Sam Trapani et t'as rien trouvé de mieux que chouette nuit pour se balader. Bah, c'est vrai, non ? Ouais, t'as pas tort. Des fleurs pour la petite dame ? Non, pas la peine. Quoi ? J'ai pas droit aux fleurs. Le jour où je pourrais t'inviter pour de vrai, et pas juste te raccompagner pour faire plaisir à Luigi, là, t'auras des fleurs. Ça pourrait s'arranger. Si papa m'interdit pas de fréquenter un type comme toi. Je crois qu'il sait, d'ailleurs. Luigi ? Non. Ça fait des semaines que ces cons me cassent les pieds. Mais je voulais rien dire. Je te connais. J'en ai parlé une seule fois à papa, et tout d'un coup, c'est toi, le chevalier blanc, qui m'escorte. Donc, clairement, il sait. Bon, bah, ça veut dire que je pose pas de problème. Si c'était le cas, t'aurais pas fait de vieux os. Je sais ce qui est arrivé aux autres. Je l'ai aidé à cacher les corps. Donc, toi et moi... C'est moi qui essaie de te protéger, Tommy Angelo, depuis le début. Si on allait quelque part demain soir... pourquoi pas au cinéma ? Et là, tu les auras, tes fleurs. Ce serait bien. Oh ! Hey, salut ma jolie. Tu nous quittes déjà ? Va chier. Allez, pique pas ta crise, ma belle. On laissera ton copain regarder, t'en dis quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un problème ? Le problème, c'est que t'as essayé de nous piquer ce joli petit lot. Si vous faites pas attention, vous allez terminer dans un costard en sapin. Dernière chance pour vous tirer. Tu nous impressionnes pas. On sait pour qui tu bosses. Salieri, c'était peut-être un bonhomme quand il était jeune. Mais maintenant, c'est plus personne. Morello devrait plus tarder à lui régler son compte. J'ai pas besoin de Salieri. Ni de personne pour régler ça. Vous l'entendez ? Alors on va voir ce que t'as dans le bide, enfoiré. Où tu vas comme ça, ma jolie ? Tiens-toi ! Billy a raison. T'es un joli petit loup, toi. T'approches pas de moi. Une beauté.
t'es comme toi, c'est du gâchis avec ce pignol. T'as des gambettes vraiment chouettes, tu sais. Si tu touches, t'es mort. Ton temps avec un minable. Je te déconseille de me chercher. J'espère que t'es plus doué que tes potes. Voilà pour toi. Espèce d'enfoiré. Crochet du droit, impressionnant. Tu saignes. Allez, viens chez moi. On va regarder ça. Bah alors, tu vas rester là, les bras ballants? Je me demandais quand t'allais m'inviter. Redescends, gros dur. Je vais juste te rafistoler. Pose-toi sur le canapé et remonte ta manche. Je vais chercher ma trousse de couture. Ça a pas l'air trop méchant. Tu veux un truc pour la douleur? Non, ça va aller. T'es pas obligé de jouer à ça. Quoi? Je vois bien que ça fait un mal de chien, Tom. Si tu veux jouer les durs, va voir Polly, il fera ça à la graffeuse. Tu proposes quoi? Avec les compliments du Don. Encore une. Ok. Tu serres les dents, on y va? Ouais, ça va aller. Bien. Parce que sinon, la petite vieille d'à côté va se plaindre à tout le voisinage à cause du bruit. Essaye de faire ça vite, d'accord? Ça prendra le temps qu'il faut. Si je te recous mal, la cicatrice sera affreuse. Ah ouais? T'en as recousu beaucoup comme ça? Seulement mon père. Ma mère n'hésitait pas à s'en prendre à Luigi. Comme il a appris à esquiver les assiettes. Un jour, elle l'a planté avec ses aiguilles à tricoter. En plein dans la main. Pourquoi? Parce que... elle était jalouse. Et alcoolique. Fini. C'est pas très beau, mais... ça fera l'affaire. Ça me fera au moins un souvenir de toi, cette cicatrice. Non, tu restes ici. Je veux pas que les voisins te voient avec ta tête de déterré. Et puis ces gars sont sûrement toujours à ta recherche. Bon, d'accord. T'as une couverture pour moi? Non.
Et il n'y a plus de chauffage. Ça ira. On va devoir répliquer. Sarah va bien, boss. Je m'en suis occupé. Quand elle a commencé ici, elle dépassait même pas le comptoir. Tu sais, Tom, j'ai pas la chance d'avoir une fille. Je ferais n'importe quoi pour la gamine de Luigi. Moi aussi. Nous tous. C'est vrai, boss. On ferait tout pour Luigi et Sarah. Putain de merde, ils se croient à Luna Park, ces gros enfoirés ou quoi? Je vais leur arracher la colonne vertébrale à ces connards. Notre business, c'est la protection. Mais qui va nous payer quand les gens vont apprendre qu'on n'est même pas capable de protéger l'une des nôtres? Qu'est-ce que vous décidez? On va leur donner une bonne leçon. Et on va leur briser tous les os. Ils pourront plus jamais marcher. On va leur défoncer la tête. Même leurs mères pourront pas les regarder sans hurler. On sait où ils sont planqués? Un ami dans la police nous dit de regarder vers Chinatown. Ça veut dire que Big Beef a des infos. Tommy, va chez Vinny et récupère du matos. On se retrouve chez Biff. Ouais, ok. Quand vous aurez fini, laissez-les dans la rue. Je veux que tout le monde sache qu'ici, on laisse pas les chiens enragés rôder dans notre quartier. C'est compris, boss. Ces enfoirés sont peut-être encore sur notre territoire. Je vais voir dans le quartier. M'assurer qu'ils sont partis. Toi, va voir Biff. Bonne chasse. Ouais, pareil. Bon, quand t'auras fini avec Vinny, viens me voir à Chinatown. D'accord. On va aller botter des culs. C'est minable, me manque de respect. Où est-ce qu'il est le respect dans cette ville, Franck? Il y a des types qui s'en prennent à ça en pleine rue. Les Corleone refusent. T'es là pour un flingue, Tom? Non, je suis déjà équipé pour ça. Polly et moi, on doit aller tabasser des racailles qui traînent sur notre territoire. J'ai pas envie de dégainer et que ça pisse le sang dans nos rues. Je veux juste les dérouiller. Ça devrait suffire. Sam a fouillé l'entrepôt d'un type et il a trouvé ça. Avec l'autographe de Babe Ruth en personne, qui dit. Bon, c'est des conneries, mais avec ça, tu casses des gueules, tes racailles seront servies. Ça, c'est sûr. Merci, Vinny. C'est pas trop tôt. Allez, je suis trempé. J'arrive pas à croire que Biff soit venu dans ce coin pourri, ça me dépasse. Lâche-le un peu, il est amoureux.
Tu parles. Il s'est entiché des Asiatiques depuis qu'il a vu des films cochons venus de Shanghai. Je la trouve charmante, moi. Ton problème, c'est que ton point faible, c'est les gonzesses. Biff, sale gros porc, comment tu vas ? Chut-mau, loutine, ni tang ou des tiens ? Salut poupée, ravi de te voir. Envoie-la, Biff, on a du boulot. À l'étage, s'il vous plaît. Bon alors, il y a un pépin ? On a besoin d'infos. Il y a des guignols qui posent problème. Ils ont déconné avec la fille de Luigi. On n'en manque pas ici. T'as rien d'autre ? Un de ces enfoirés s'appelle Billy. Il y a un type un peu bégueule et un chauve qui boxe bien. Ah ouais, je vois qui c'est. Ils sont dans l'ancienne station-service, à un pâté de maison d'ici. Ils carottent du matos. Des amateurs. C'est pour ça que je suis venu te voir. Tu t'y connais en amateur. Passez par derrière, traversez la rue. C'est là qu'ils sont. Merci. À bientôt, mon pote. Au fait, Polly, à propos du fric... Du calme. On attend que mon contact te passe. Ce sera la semaine prochaine. T'en fais pas. Quand vous parliez, vous avez une affaire tous les deux ? Ouais, une connaissance fait entrer des cargaisons de costards. Des costards classe mexicains. Tu fais venir tes costards de Mexico ? Mais non, abruti. Les costards viennent d'un entrepôt dans le centre. Le tailleur, lui, vient de Mexico. Enfin, à l'origine. Il vit à Holbrook. Le Don sait pour tout ça ? Ouais, ouais. Il touchera sa commission. T'occupe pas de tout ça. J'ai rien entendu. Tu vas les reconnaître, ces fumiers, en les voyant ? Ouais. Et puis tu sais, ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de types comme eux et nous dans Chinatown. Ah, c'est ici. Voilà ce qu'on va faire. Je rentre et je tabasse les types. Toi, tu fais pareil. Pas de flingue. T'as mis longtemps à la trouver, ta stratégie ? Non, ça, c'est l'approche standard. T'assures, mon gars, j'avais jamais vu un cul pareil. Wow, wow. Hé, hey, Billy, c'est le type de l'autre fois. Faut qu'on trace. Il faut le choper. Mec, sortez vite. Je vais t'allonger. Voilà pourquoi, pour pas nous faire chier. Oh, merde. Franchis la clôture avant qu'il s'en aille. Ne laissez pas s'approcher de Billy. Blanche de biche, t'avais des couilles de venir sur notre territoire. Tu vas crever ici, tu le sais au moins. Sors ton arme, Tom. Il veut la jouer à la dure. Je crois que je t'ai attendu. Je vais au nord, tu vas au sud. Quoi ? Je vais là-haut, toi tu vas là-bas. Ouais, ouais, d'accord. Thank you.
Il nous faut la caisse. Toi, dégage. Allez, ils vont nous semer. Je recharge. Fais gaffe, Tom. La route est trempée. T'inquiète pas, je m'en occupe. Encore ? Ah !
laisse à liquider. T'as déjà vu des types se faire dessus aussi vite? Si tu fais abstraction de la flotte, je crois qu'on peut suivre les traces de pisse. Ces abrutis vont regretter d'avoir posé les yeux sur Sarah, pas vrai? Ils croient vraiment qu'ils vont nous semer, ces cons? Ils t'ont jamais vu conduire! Cet abruti a réussi à se foutre dans le décor. Ça veut pas dire que c'est terminé pour autant. Allez, vas-y, bute-le. Non. Non, non, attendez. Pitié. Pitié, s'il vous plaît. Je peux pas crever, merde. Qu'est-ce qui t'arrive? Me dis pas que t'as de la peine pour ces fils de pute. S'ils pouvaient, crois-moi, qu'ils t'auraient déjà plombé. Appuie sur la détente, réfléchis pas. Je suis à sec. Mais lui aussi, on dirait. Mère Dieu. Reprends-toi. Tu te souviens de ce que ces salopards voulaient faire à Sarah? Ouais. Je sais, mais... Allez. On ferait bien de foutre le camp avant que les flics se pointent. Juste une quinte. Là, ça y est, je suis complètement plumé. C'est un coup de peau. Si tu veux, je te laisse une chance de te refaire. Vous voulez jouer, boss? Il faut qu'on discute, Polly. Les choses sérieuses commencent. Un de nos associés au bureau du légiste nous a envoyé ça. Le Maccabée s'appelle Ghilotti. Tu le reconnais? Ouais. C'est un des gars qu'on a foutu à la porte du quartier. Et tu m'expliques pour la balle dans sa tête? Ouais, on l'a buté. Les flics devraient nous remercier, on leur a mâché le boulot. Ce type était un violeur, boss. Ah ouais. C'était aussi le fils d'un conseiller municipal. Si tu veux précipiter un politique dans les bras de Morello, y a pas meilleur moyen que de buter sa famille. Oh merde. C'est pas fini. Vous avez laissé quelqu'un d'autre sur place. Ouais, mais il était mort quand on est arrivé. Quoi? C'était le neveu du président ou un truc du genre? Deux balles dans la tête, Polly. Si tu dois faire un boulot, fais-le bien. Il est pas mort? Non. Il est passé la semaine à l'hosto, mais il s'en est sorti. Est-ce qu'il peut vous identifier? J'en sais rien. Peut-être. Ok. Bon. On va tuer deux oiseaux avec une seule balle. Les obsèques de Ghilotti ont lieu aujourd'hui à Saint-Michel. Sam, tu vas t'y rendre. Tu restes au fond et tu essaies de repérer notre petit vénard. Comment je vais le reconnaître? Il aura la gueule d'un type qui sort d'un accident de bagnole. Son bras est cassé. Cherche un bras en écharpe. Sam aura besoin d'une diversion, donc Tom ira prendre un peu de bon temps. Vous envoyez Tommy tremper son biscuit? C'est un bordel? Un club pour gentlemen, sur la même rue que Saint-Michel.
Le Don a investi pas mal de fric là-bas depuis le temps. Et nous aussi, on a investi. Quoi qu'il en soit, le propriétaire a soudain décidé de faire affaire avec Morello et plus avec nous. Vous voulez que j'aille le rappeler à ses obligations ? Oui. Et après, fais sauter le club. Quoi ? Si Morello veut nous prendre notre business, il va récupérer un cratère. Écoute, Tom, on ne peut pas envoyer Pauline ni Sam, vu que toutes les filles les connaissent. Ils n'arriveraient même pas à y entrer. Mais toi, tu devrais pouvoir. D'accord. Et je fais quoi du proprio ? Tu t'occupes de lui dès que tu le trouves. Si les grues te voient faire, eh ben, ce sera un avertissement. Une fois qu'il est refroidi, fonce dans son bureau, au dernier étage. Récupère tous les documents et l'argent que tu trouveras. Et pose les explosifs. Vincenzo pourra te fournir tout ce qu'il te faut. Et vous pensez que l'explosion pourra me servir de couverture ? Oui. Mais fais ça bien. Ne passe à l'action que si tu es certain de pouvoir t'enfuir. Tommy, il y a autre chose. Une des filles balance des informations sur nos opérations à Morello. Avant de tout faire sauter, tu dois aussi t'occuper d'elle. Attends, tu veux que Tommy bute une fille ? Arrête, Frank. C'est regrettable que ça tombe sur Tom. Mais on doit protéger la famille. Elle s'appelle Michelle. Elle travaille souvent dans les chambres du haut. Sa photo est dans le dossier. Tout est clair pour vous, messieurs ? Ouais. Tom ? Pas de soucis, boss. Alors, au boulot. Allez, on y va. Va voir Vinny. Je te retrouve là-bas. À la recherche de quelque chose qui fait boum. Embrasse bien les filles de la part de tonton Vinny, d'accord ? Pas aujourd'hui, Vinny. Démarre pas tout de suite. Faut qu'on cause un peu d'abord. C'est à propos de la fille. Michelle ? Voilà. Pas besoin de la liquider. Il suffit juste qu'elle disparaisse. Tu la connais ? Ouais. Je l'ai fréquentée quelquefois. Elle a un bon fond, Tom, même si c'est pas une flèche. En tout cas, elle mérite pas d'être butée juste parce qu'elle m'a écouté parler. Tu penses qu'elle va quitter la ville ? Quand elle aura compris ce qui l'attend, crois-moi, elle partira. Tiens, donne-lui ça. Et débrouille-toi pour qu'elle s'en aille loin d'ici. Ok. Je vais voir ce que je peux faire. C'est tout ce que je te demande. C'est parti. Michelle, c'est la fille qu'on a vue aux courses, c'est ça ? Tom, c'était la dernière fois qu'on parlait d'elle. Maintenant, c'est fini. Terminé. Je t'ai dit ce que je voulais et tu m'as écouté. Ça s'arrête là. Très bien. Quand t'arriveras à l'hôtel, reste concentré. Trouve tes marques et te fais parpérer. Le directeur croit qu'il est intouchable. Je pense que tu pourras le rencontrer facilement. Y a autre chose que je dois savoir ? Non. Essaye de pas trop traîner. Guilotti est mort jeune, donc ça m'étonnerait que les loges funèbres durent longtemps. Quand la bombe pètera, je prendrai le relais. Ok. C'est quoi ce monde où toi tu merdes et on t'envoie au bordel ? Alors que moi je dois rattraper tes conneries à un enterrement. T'as pas de justice, franchement. C'est la mission, c'est tout. Quel professionnel. Essaie de pas te planter cette fois, hein ? Ça fait un bail que j'ai pas foutu les pieds à l'église. J'imagine que les chansons ont toujours pas changé. La dernière fois c'était les mêmes. Les mêmes que quand j'étais môme. Ouais, t'as pas l'air versé dans la religion. C'est à cause des funérailles. Ça finit toujours comme ça. Un type sort son flingue et tire sur la famille. À un moment, il y avait tellement de funérailles que j'ai arrêté d'y aller. Ça devenait barbant. Dommage.
T'as toujours l'air sapé pour ce genre d'occasion. Très drôle, Tom. Note-la, celle-ci. Ouais, je vais faire ça. Sinon, les mariages... Les mariages, c'est moins barbant. J'irai bien à un mariage. Tu vas te marier, toi ? Peut-être. Bien. Parce que j'ai abandonné l'idée pour Polly. Il n'arriverait pas à serrer une poulette, même avec du grain sur sa queue. Ah, il trouvera bien. Même sa mère s'est fait une raison. Alors, pas la peine de rêver. Descends là. Je transmettrai tes condoléances à la famille. Bonne chance. Toi aussi. Pas de bêtises à l'intérieur, d'accord ? Tu sais où je peux trouver le directeur ? Je surveille la porte, c'est tout. Hé, hey, beau gosse. T'es là pour une fille ? Un verre ou un peu des deux ? Une fille. Et je dois parler affaire avec le directeur. Une fille ? Ça, je peux t'aider. Suis-moi. Trouve une fille qui te plaît. Vous ferez plus ample connaissance à l'étage. Il n'y a rien qui presse. Prends un verre, détends-toi et amuse-toi. Approche quand tu seras prêt. Tu cherches une aventure ? Viens par ici, mon chou. Non, cherche une amie. Michel. Bien sûr, je comprends. Viens dans ma chambre et parle-moi de Michel. Je veux juste parler. Ah, tu sais, je l'entends souvent, celle-là. Et j'imagine que t'es pas comme tous les autres, hein ? Non, c'est vrai. Où est Michel ? En haut, dans la 208. Autre chose ? Non, c'est tout. Si seulement les autres étaient comme toi, mon chou. Toi, Michel ? Et toi, t'es qui ? Un certain Sam, c'est un T-régulier ? Possible. Plein de gars s'appellent Sam. Tu le connais. Il bosse pour Don Salieri.
Peut-être que ça t'est arrivé de le faire parler de nos affaires. Et peut-être que Don Morello t'a proposé de l'argent pour que tu balances tes infos. Non, Sam me fait confiance. Je dis jamais rien, moi, il le sait bien. Le truc, c'est que le Don perd beaucoup d'argent parce que quelqu'un peut pas s'empêcher de baver. J'ai juste discuté un peu avec des filles de Morello. Je voulais pas foutre le bordel. Dis-lui que je regrette. Dis au Don que je n'ouvrirai plus jamais. Je sais. Pardon, je suis désolée. Pardon, pardon. Est-ce que t'as peur? C'est bien. Oublie jamais ce que ça fait d'avoir aussi peur. Oublie jamais que t'es juste au bord d'une tombe creusée à ton nom. Parce que si jamais je revois ta petite gueule dans cette ville, on te retrouvera avec deux balles dans la tête. Est-ce que c'est compris? T'as de la veine que Sam ait un grand cœur. Habille-toi et fous le camp. Cet endroit va bientôt péter. Merci. Fous plus les pieds ici et on sera quitte. Bien le bonjour, monsieur. Puisse l'amitié entre l'hôtel Corleone et la famille Morello durer éternellement. On va les liquider. Quelqu'un appelle la police. Hey, parti. Tocard.
à dépasser les bornes. Dépasser les bords.
Il n'a pas pu disparaître. Allez,
C'est pas du tout ce que vous croyez. Thank you.
perdu le contact avec les hommes sur le toit. Le suspect s'est enfui. Car si notre vie n'a été que péché, nous trouverons la rédemption dans la mort. Et William avait beau être un pécheur, certes, c'était aussi un fils aimant, un frère protecteur et un ami loyal. Et pour toutes ses vertus, nous prions pour que son âme trouve le Seigneur. À présent, je crois que les proches de Billy aimeraient dire quelques mots en son hommage. Merci, mon père. Je voulais présenter mes respects. Billy, je te l'ai jamais dit, mais je t'ai toujours vu comme un frère. Je pourrais pas compter toutes les fois où tu m'as sauvé la vie. Je sais pas comment j'aurais pu... Qu'est-ce que vous... Eh, hey, mais c'est lui. C'est le type qui a buté Billy! Pitié! Laissez Billy être tout tranquille! Billy. Thank you.
Putain, Héron, c'est funérailles. Pas meilleur que nous. Vous auriez pu mettre un terme à tout ça il y a plusieurs jours. Son père est là, sur le balcon. C'est comme ça que la ville tourne. T'as dépassé les bords. Qu'avez-vous fait? Du sang dans la maison de Dieu? Ces hommes étaient des criminels, mon père. Des voleurs. Des violeurs. Des tueurs. Et Dieu les aurait accueillis s'ils avaient demandé pardon. Qui vous dit qu'ils ne se seraient pas rachetés en venant en aide aux nécessiteux? Qui vous dit qu'ils n'auraient pas pu sauver une vie? Impossible, mon père. Espèce d'enfoiré. Si t'as quelque chose à avouer, c'est le moment de le faire. Assez de sang versé. Assez! Désolé, mon père. Voyez ça comme un châtiment divin. Oh. Comme ça, on est quitte. Ouais. Pour l'instant. Pour le dérangement, mon père. Je ne veux pas de votre argent sale. Vous avez pris le leur. De mon point de vue, il n'y a pas trop de différence. Ça devrait suffire pour reboucher les impacts de balles et garder le silence. Quand les flics viendront, vous leur direz que les hommes qui ont fait ça avaient un accent de la côte Est. Que ça n'a rien à voir avec nous. Pigé ? Je ne mentirai pas. Mais je ne dirai rien du tout. Bien. Ce serait dommage de devoir revenir ici. Où t'étais passé, putain? Dès que j'ai mis les pieds dans l'église, les gars de Morello m'ont tous reconnu. Ils m'ont suivi et j'ai dû m'éclipser. Et ils sont où, là? Au même endroit que tous les autres. Allez, viens, faut qu'on trace. Putain, il en arrive de partout! Je tiens! On peut te soigner, là-bas. Jamais imaginé que ça prendrait cette tournure. On s'en fout, roule. Sinon, on va finir à l'arrière. Signal qu'il se trouve à présent dans Holbrook. Je sais pas ce que t'as foutu au bordel, mais les flics sont furax. Ouais, c'est un peu le bazar, mais j'ai tout réglé. Vraiment tout? Ouais. Vraiment tout. Ils en ont marre. Ça m'étonnerait. Ils ont dû appeler en renfort tous les autres flics de la ville.
c'est, d'accord? Où t'étais passé, putain? Dès que j'ai mis les pieds dans l'église, les gars de Morello m'ont tous reconnu. Ils m'ont suivi et j'ai dû m'éclipser. Ils sont où, là? Au même endroit que tous les autres. Allez, viens, faut qu'on trace. Tu veux un périmètre de sécurité autour de l'église? Il ne doit pas sortir. Tu te fous de moi? J'aurais jamais imaginé que ça prendrait cette tournure. On s'en fout, roule! Sinon, on va finir à l'arrière. Barrage est en place. Je sais pas ce que t'as foutu au bordel, mais les flics sont furax! Ouais, c'est un peu le bazar. Mais j'ai tout réglé. Vraiment tout? Ouais. Vraiment tout. Ouais, on a perdu la trace du suspect dans le centre. On va le trouver. On le tient. Les agents sur place le traquent. Ça y est, ils en ont marre. Ça m'étonnerait. Ils ont dû appeler en renfort tous les autres flics de la ville. Barrage en position. On le tient. Les agents sur place le traquent. Allez, faut les semer. J'essaie, d'accord? Je signale qu'il se trouve à présent sur Central Island. On le tient, les agents sur place le traquent.
est en place. Ça devrait le ralentir. Les assommer. Eh ben putain. Je suis pas prêt d'oublier cette journée, moi. Tu m'étonnes. On retourne au bar. Faut faire profil bas. Quand ce sera fini, faudra faire profil bas plusieurs semaines. Ah, le prêtre va fermer sa grande gueule. T'en fais pas. Morello a le nez en sang. Et avec Polly, vous avez donné une bonne dérouillée au fils de Guilotti. Le patron sera très content. Merci encore pour ton aide tout à l'heure, Sam. J'ai bien cru y passer. T'aurais fait la même chose pour moi, non? Ouais, mais t'as quand même un sacré mordant, toi. Bon Dieu, c'est pas croyable. Arrête, t'as pas besoin de me remercier. Te prends pas la tête avec ça. D'ailleurs, mieux vaut pas se prendre la tête avec quoi que ce soit. Putain de merde, Tommy. Tu viens d'avouer une fusillade dans une église. Et encore, je t'ai pas raconté le pire. Tu sais que je pourrais t'embarquer tout de suite et te foutre à l'ombre jusqu'à la fin de tes jours. Peut-être, si tu réussis à me coller ça sur le dos. Mais du coup, tu sauras jamais pour Morello.
Désolée pour l'attente. Je viens tout juste d'arriver. Qu'est-ce que je vous sers ? Deux menus du jour, s'il vous plaît. Et du café. En fait, apportez la cafetière. Très bien, on a commencé, alors continuons. L'histoire de l'église a attiré l'attention. C'est ça le plus étrange. Il s'est rien passé après. J'ai toujours cru que Salieri avait payé quelqu'un pour fermer les yeux parce que c'était pas dans les journaux. On s'est fait discret pendant 7-8 mois. Les flics se pointaient au bar pour nous rappeler qu'ils nous surveillaient toujours. Et Franck a su que Morello aidait Ghilotti à se faire réélire en espérant qu'il partirait en croisade contre le Don. On a retrouvé des livres de comptes dans les bureaux de Morello. 33, ça a été une bonne année pour lui. Ce salopard a su avant nous qu'on était mal barrés. Tandis qu'on cherchait à se faire oublier, il a commencé à taper dans notre business. Discrètement au début. Quelques camions qui disparaissent, un gros bonnet qui boit un peu trop et qui rate le pont, un de nos réguliers qui met la clé sous la porte sans prévenir et qui quitte la ville. Et vous avez rien vu venir ? Moi, non. Mais je crois que Paulie s'en doutait un peu. Mais même avec tous ces flics sur nos traces et Morello qui nous tournait autour, on arrivait à se faire du fric. Et comme le Don voulait vraiment qu'on fasse profil bas, on n'avait pas grand-chose à faire, à part boire des coups et s'en payer une bosse. Et à chaque fois que j'allais chez Salieri, je retrouvais Sarah. C'était une année sympa. Jusqu'à ce que Franck... Coletti, le conseiller du Don ? Ouais, lui. Il m'a ouvert les yeux. Il nous a ouvert les yeux à tous. Ça parle beaucoup de vos frasques en ville. Ouais, une petite danse des familles hier soir, rien de bien méchant. Je me fous de la baston, Tom. Ce qui m'importe, c'est l'image que tu donnes quand tu arrives dans un bar et que tu payes ta tournée. Faut bien qu'on claque un peu notre fric. Claque-le sur les champs de course le dimanche. Ou invite une fille, ou alors investis-le, bon sang. Tu veux que je devienne un de ces requins de Wall Street ? Me provoque pas, Tommy. J'essaie de t'apprendre les ficelles, et toi, tu t'en mêles dedans. T'as déjà eu un chien, Tom ? Ouais. Un petit clébard quand j'étais môme. Quand j'avais 8 ou 9 ans, avant de quitter la Sicile, j'avais une superbe chienne, un Cianeco de l'Etna. Comme un petit lévrier. J'avais jamais vu un chien aussi rapide. C'est là que j'ai connu le Don. On organisait des courses ensemble. On pariait sur elle avec des centimes ou des balles de fusil. Il n'y avait aucun chien qui pouvait la battre. Jamais elle ne perdait. Mais un jour, elle a perdu. On avait parié qu'un petit canif, mais... j'ai jamais vu le Don aussi furieux. Et elle est devenue trop vieille ? Non. Enceinte. Quand elle avait ses chaleurs, elle partait se balader. Et tous les clébards du quartier pouvaient se la faire. Toi, t'es comme elle, Tommy. Chaque fois que tu flambes avec ton fric, t'es qu'une chienne en chaleur, et tout le monde dans le bar cherche à te baiser. Et une fois que t'es baisé, tu ne sers plus à rien. Est-ce que tu comprends ce que je te dis ? Je crois bien que oui. Bien. Parce qu'il faut que tu penses à ta carrière. Écoute, Pauli ira pas plus haut. C'est le type parfait pour la castagne, mais il a pas la caboche pour gérer le business. Sam est loyal, mais il a aucune vision. Mais toi, Tommy, toi, tu pourrais régner sur cette ville. Merci du compliment, Franck. Et donc ? Elle est devenue quoi, la chienne ? Le Don a essayé de la noyer. Je lui ai pété le nez. Tu peux me déposer là ? Passe le bonjour à Sarah, Tommy. À l'époque, absolument tout passait par Franck. Les plans, les ordres, l'argent. C'est lui qui donnait le feu vert, de jour comme de nuit. Ah, Tom.
Tommy, Franck a dit de l'attendre dans le garage derrière. Il y a du boulot pour toi. Merci, Luigi. Sarah cuisine quelque chose. Elle va l'apporter. Avec ce temps. Ah, quelle bonne petite. On se voit demain, Luigi.